Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans le même hôtel qu'hier, mais on m'a changé de chambre parce que je sais pas pourquoi, l'hôtel était plein. L'hôtel est plein et on m'a bougé, donc on m'a surclassé. Voilà, c'est marrant parce que j'étais dans la chambre juste à côté en fait, du même étage, et on m'a surclassé et je trouve la chambre où j'étais hier, où je suis resté 6 nuits quand même, beaucoup mieux que celle-là. Donc elle est plus chère a priori parce qu'il y a un balcon. Je pense que... Je sais pas. Moi je préférais l'autre chambre. Bref, il y a peut-être aussi plus de lumière. Donc voilà, juste pour ça tu payes plus cher. Non mais j'aimais vraiment bien l'autre chambre et c'est marrant parce que ici on est censé payer plus cher, donc on est censé être mieux. Et dans une chambre moins chère, je me sentais mieux. C'est marrant. Ça me fait rire. Bref, aujourd'hui, je vais faire un vlog. C'est ma dernière journée à Kompot. Je suis triste parce que dernière journée à Kompot. Après, je vais à Siem Reap, la capitale. Je reste 2 nuits. Et après, je prends l'avion pour BKK, Bangkok. Et je suis triste parce que je suis triste de partir d'ici, partir du Cambodge, parce que le Cambodge c'est trop bien. J'adore le Cambodge, j'adore Kompot, j'adore ce pays. Et donc j'ai un petit pincement au cœur de partir d'ici parce que j'ai vécu vraiment un mois extraordinaire, un mois au total au Cambodge là, un mois extraordinaire. Déjà, il y avait le raid Amazon, bon, il y avait le raid aussi en décembre, donc on va dire que quand je parle du Cambodge, je parle de ces deux Cambodges. Raid Amazon, j'ai rencontré donc Jean et Jean-Loup, super rencontre des gens, voilà, j'ai passé pas mal de temps avec eux, on a bien discuté, on a passé des super moments, c'est pas fini. Jean-Loup arrive, il arrive à mon hôtel, je l'ai invité parce que moi j'ai une petite piscine, alors je l'ai invité pour se baigner. Et puis on va aller voir Jean en rivière. Donc ça sera le vlog de la dernière journée à Kompot. Voilà, qui sera certainement aussi le dernier vlog du Cambodge. Parce que moi bon, je ferai peut-être une vidéo sur Siem Reap, on verra. Sur Phnom Penh, pardon. Et puis voilà, je t'emmène avec moi. C'est cool. J'ai une plaque là, je sais pas si vous l'avez remarqué là. J'ai une grosse plaque là, je ne sais pas pourquoi. J'ai dû faire une allergie à je sais pas quoi. Mais voilà, bon, ça change rien. Je vais me filmer de ce côté-là. Mon meilleur profil. On y va, on va se promener. Allez, on y va. Voilà, donc ça c'est ma piscine. Enfin, la piscine de mon hôtel. Donc j'ai pas mal squatté ici, au bord de cette piscine. Parce qu'il faut dire qu'après le raid Amazon, j'étais rincé. Alors, j'avais cette piscine et ces fauteuils pour me reposer et ça m'a fait du bien. Maintenant, je suis prêt à reprendre le sport à fond. On va plonger avant ça. En attendant Jean-Loup. Et tu viens une bonne petite piscine. Plus dangereux que les urgences. Je calcule plus tout ce que j'entends. Je veux servir de modèle. Venom. Crash comme Venom. Venom. Je suis trop en avance pour leur demander l'heure. J'aime bien cette punchline. Je suis en train de regarder la dernière vidéo de Jean-Loup. T'es pas abonné à sa chaîne, fais-le maintenant, elle est trop bien. Je suis avec Jean-Loup. Yo. Qui est en train d'installer son matos. Petite interview improvisée. Tu vas m'interviewer, vous verrez ça sur sa chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Ouais. Donc quand ça sortira. Si ça sort un jour, si on dit pas trop de bêtises. Voilà la vue du balcon, pas mal finalement. Hein. Voilà.
Voilà, le petit Jean-Loup qui est dans ma chambre, on va faire une petite interview là-bas, donc c'est cool. On discute, ça fait au moins quoi, ça doit faire au moins une heure et demie qu'on discute. Bah ouais, on n'est même pas allé dans la piscine. Et on n'est même pas allé dans la piscine, ouais, c'est vrai. Et on a bien discuté, mais on peut pas tout dire. Le matos est prêt. Et ça, c'est un bon appareil photo, hein. On peut faire des belles vidéos avec ça. Donc voilà la petite vue, et j'ai vu que ici il y avait le plus beau en fait. Regardez-moi ça, comment c'est merveilleux. Waouh. Donc en fait il commence à faire lourd et il pleut la nuit maintenant, donc c'est quand même désagréable, ça fait du bruit, il y a des orages et j'ai peur des orages. Jean-Loup qui travaille. Regarde, t'as vu là la vue, comment c'est chouette. C'est là le plus beau en fait. Bah t'as la Riverside et les montagnes. Dommage, tu vois, qu'on puisse pas filmer avec ça de... Ouais, ouais. Bah sinon on monte sur le toit bleu là. Allez. On va chercher une corde. Un petit lot de sauvetage là. Passe. Donc voilà, on vient de faire une petite interview. Très intéressante. Jean-Loup m'a interviewé. Je vais vous mettre le lien dans la description quand il aura publié la vidéo. Ça sort samedi matin, 8h du matin. Bah après, moi, France. Je sais pas. Ah bah, du coup, je le mettrai en ligne. Je pense que la vidéo, celle-là, elle sortira dimanche. Ah, parce que demain, on fait le live. On se retrouve ensemble. En tout cas, c'est vraiment cool. Donc, Jean-Loup, voilà, abonnez-vous. Il y a des choses à raconter. Abonnez-vous à sa chaîne. Franchement, c'est cool. Ça me fait plaisir. Ça fait un an et demi que je connais. À peu près, toi ça fait un an et demi que tu voyages, ça fait à peu près un an que je connais Jean-Loup, qu'on discute via Messenger et voilà. Donc ouais. Voilà, je voulais qu'il apparaisse sur ma chaîne. C'est chose faite. Donc là on va aller voir Jean Rivière, notre ami Jean Rivière qui est chez lui tranquillement et puis voilà. Je sais pas si je vais continuer de filmer mais on verra. Commence à faire nuit. Oh, regarde le coucher de soleil, si tu veux faire des images. Ah, putain ouais bien. Ah ouais, cool, là ça tu peux faire une belle... Ah bah, ça fera mon outro. Moi ça rendra mal, mais... D'accord, ça je vais te filmer en train de filmer. Ah ouais, mais ce sera nickel pour l'outro, là. Les coulisses des vidéos de Jean-Loup. Voilà, c'est ça. Bon allez, je vous laisse, à plus tard. Au téléphone avec le Jean Rivière. Ah bah, on va déranger ou pas? On va se... On va pas déranger au mariage. On va se faire une petite soirée avec Jean Rivière tranquillement. Du coup, moi je vais poser la caméra, je la reprendrai demain parce qu'il commence à faire nuit. Et voilà, je filme pas trop la nuit parce qu'après ça rend pas terrible. Déjà là, on doit pas me voir. Voilà, on se capte demain. Demain, je vais à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Donc je vais filmer le voyage et voilà, on va continuer comme ça. Bisous les amis. Bon, hier on a passé une méga bonne soirée avec Jean-Loup et Jean Rivière. C'était vraiment cool, on est allé donc chez Jean Rivière. Il y avait un mariage en fait, son voisin se mariait. Et c'était au top. Franchement c'était cool. On a bien discuté avec Jean, j'ai appris beaucoup de choses, donc c'est cool. Puis Jean-Loup aussi, ici on a fait l'interview hier. C'était cool, et là donc je prépare mes affaires, je vais partir à Phnom Penh, capitale du Cambodge. J'ai un pincement au cœur parce que j'ai vraiment adoré Kampot. J'ai fait des superbes rencontres. C'était génial. C'était, ouais, voilà, je pars à la tête remplie de bonnes choses. Et donc voilà, après je vais aller à Bangkok, je vais me poser, et puis voilà, puis le retour en France s'approche. Mais ouais, c'était cool. Donc là, je prépare mes affaires et on part direction Phnom Penh. Tu viens avec moi? On y va. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé à Phnom Penh. J'arrive dans mon hôtel là. Voilà. La route a été... On est tombé en panne quand même. On a dû rester une demi-heure, trois quarts d'heure bloqué. Mais bon, je suis arrivé dans mon hôtel à Phnom Penh. Et ça fait plaisir. Waouh, c'est cool. Belle salle de bain. Lit. J'ai même une machine à laver quoi, un lave-linge. J'ai jamais eu ça dans un hôtel, un lave-linge. C'est cool. Voilà, bah là je vais mettre mon bureau. Et du coup je vais pouvoir faire le live de ce soir parce qu'on est samedi. Quand vous verrez cette vidéo, il sera certainement lundi. Bon, on l'a vu, on voit rien parce qu'il fait nuit. Je vais aller manger un bout, je vais installer mon matos pour faire le live. Parce que voilà, ça va être l'heure du live. Et puis voilà, je voulais aussi vous parler de... Vous savez, j'étais à Kampot. J'ai rencontré Jean-Loup et Jean Rivière.
Avec Jean-Loup, j'ai fait une petite interview. C'est la première fois que je fais ça. C'était cool. La vidéo est sortie. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets un extrait maintenant. Aujourd'hui, je rejoins Vincent, dont je t'ai parlé la dernière fois, qui a une chaîne YouTube également qui s'appelle HDPTV. Tu peux aller voir, je te mettrai le lien dans la description. Il fait une vidéo par jour. Et Vincent, c'est quelqu'un qui a beaucoup baroudé. Beaucoup plus que moi, où je suis un enfant de cœur à côté. Et du coup, il y a pas mal de choses intéressantes à raconter. Donc aujourd'hui, je t'emmène avec moi, on va aller le voir, on va aller discuter un petit peu avec lui. Le voilà ! Il est là ! Le fameux. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Super. Tranquille ? Ouais. Plaisir de te voir. Bon allez, c'est parti. Ok Vincent, bon j'ai fait du teasing pour toi juste avant, j'ai dit que t'avais bien baroudé, que t'étais un ouf, donc il faut que tu assures dans cette interview. Je vais essayer d'être le plus sincère possible. Allez, c'est parti. Et donc, donc allez voir la vidéo, elle est vraiment top. C'est une discussion voilà, qui dure à peu près 25 minutes. On a, voilà, c'est deux passionnés qui parlent de voyage, d'aventure, de baroud, de dépassement de soi, etc. etc. Mais c'est vrai, ouais, c'est... On est assez content du résultat, c'est la première fois que je fais ça et non, c'était cool. Et aussi, il y a Jean Rivière qui a fait un petit vlog. Donc voilà, si vous voulez voir sa vidéo, je vous balance un extrait maintenant. Ah, vas-y, chante. Putain, ça peut être moins grave. Voilà, si vous voulez voir la vidéo entière, son vlog, ça doit durer entre 4 et 5 minutes, c'est pas très long. Je vous mets les liens dans la description. Cool d'avoir rencontré ces deux personnages que je suis depuis pas mal de temps maintenant. Voilà, c'est pour ça que je l'ai accompagné, c'était pour rencontrer ces gens-là. Donc voilà, maintenant nouvelle aventure qui se prépare pour moi. Je suis à Phnom Penh pour 2 nuits dans cette petite chambre. Et ensuite direction Bangkok, retour à la maison. C'est un peu mon point de chute Bangkok, où j'ai loué un appartement pour 1 mois. Donc voilà, je vais pouvoir me reconcentrer sur l'écriture de mon livre. Je vais pouvoir me concentrer sur les vidéos, refaire des vidéos, des plus grosses vidéos, des trucs que vous kiffez. Je suis en train de faire un programme d'entraînement, je vais pouvoir le fignoler et le terminer. Donc voilà, on va pouvoir reprendre les bonnes vieilles habitudes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis crevé. j'ai plus de voix. Ma voix, elle part toujours en vrille. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve donc demain pour une nouvelle petite vidéo. Rompez et que Sainte-Barbe vous protège. Moi, je vais prendre ma douche, hein, et je vais dormir tranquillement.